J'ai quelque chose à vous dire qui va vous plaire, j'en suis sûr. Vous savez que les célébrations du traité de Wapusbe sont pour bientôt et nous allons tous travailler ensemble sur un grand projet. Vous n'avez qu'à placer tout ça sur l'étagère. Oui. Afin de vous aider à faire de votre mieux, les techniciens de l'école vous montreront comment utiliser l'équipement vidéo pour ce projet. Le conseil de bande a trouvé quelqu'un de spécial pour vous conseiller et vous diriger. Monsieur Darien, pouvez-vous en dire plus sur ce projet? Oui, eh bien voici. Ce projet donnera la chance à tous de faire une vidéo. Ouais. Sur ce que vous inspire les célébrations du traité. Prodigieux. Ouais. Trop cool. Et votre mentor sera Adam Beach. Bonjour, alors tout le monde va bien? Super. C'est formidable. C'est avec plaisir que je suis ici afin de vous aider à maîtriser la vidéo et transposer l'histoire, celle qui est dans votre cœur sur un grand écran. Vous étiez bien dans le film Les Messagers du Vent? Ouais, c'était bien moi. Pourquoi suis-je ici avec vous? Je représente une personne ressource vers qui vous tournez au besoin et qui vous donnera un petit coup de main. Hé, hey, Tiber, on devrait travailler ensemble? Dès demain matin, vous présenterez vos idées, on choisira les meilleures. Oh, c'est moi le premier! Adam, tu peux signer ça? Papa, Madame Cooper a dit aujourd'hui... Celle-là? Alors, Madame Cooper a dit que c'était mon tour. J'ai une réunion. Tu pourrais rouvrir la valve centrale. J'ai besoin d'eau. Tu sais, maman, je disais à papa que Madame Cooper a Donne-moi dit... Donne-moi cette clé. Celle-là? J'ai un mot de Madame Cooper. Tu veux le lire? Pas tout de suite. Je dois aller à une réunion. Il faut que tu le lises tout de suite et tu dois me donner une réponse. J'ai une réunion. Je le lirai plus tard. D'accord. Waouh, Adam Beach. Vous imaginez, les gars, quelle vidéo on pourra faire avec lui? Je crois qu'il aidera plutôt à la réaliser. Il va être notre mentor. Je sais qu'il aimera être dans notre vidéo. Il faut s'assurer d'y mettre une bonne dose d'action. Je ne pensais pas à de l'action pour cette vidéo, mais plutôt parler aux anciens de Wapusbe. Tu sais, faire un documentaire. Un documentaire? Et où on met l'action, l'aventure et les gros méchants dans un documentaire? Hé, hey, Devin, quel genre de projet tu comptes faire pour célébrer le jour du traité? Je vais fabriquer une vraie machine à barbotine. Bah oui, c'est le meilleur moyen de marquer l'anniversaire du traité de Wapusbe. Quoi? Oui. Un de ces engins qui broie de la glace aromatisée. Ce sera extraordinaire. Toutes ces paillettes glacées au parfum sucré. Trop délicieux. Célébrer un traité, ce n'est pas ça? Vrai, c'est plutôt l'histoire de notre peuple qui chasse sur ses terres et qui attrape sa nourriture à main nue. Waouh! Un documentaire est un film que tout le monde peut voir et se rappeler pour longtemps. Devin, tu veux m'aider pour ce projet de film d'action? Non, Devin. Vas-tu m'aider moi dans mon projet? D'accord, très bien. Qui va se tenir près de l'épicerie? Je serai dans les environs toute la journée. Les anciens sont tous du quartier. Je t'aiderai pour ton projet. Il sera plus proche de la machine à barbotine. Je fais mon plan tout de suite. Tu vas regretter d'avoir refusé d'être dans l'action. La seule action qui m'importe, c'est les barbotines. D'ailleurs, je vais en déguster une de ce pas. Bon, allez, à plus tard. On se voit tout à l'heure. Salut. La table est mise, Coco. T'as besoin de mon aide? Non, nous avons ce qu'il faut. Mais tu as mis trop de couverts. Où est toute la famille? Il n'y a que nous deux pour souper ce soir. Ton père est encore avec la première équipe d'assaut et ta mère est bien occupée à l'aréna à la préparation des célébrations du traité. Pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit? Je t'en parle maintenant. Mais où est Talon? Oh, il est allé souper chez Devin. D'accord. Tu seras là demain pour une entrevue? Oh oui, demain je ne prévoyais pas m'absenter. Bonjour, coucou Marie. Vous participez à la vidéo du projet de Talen? Oui, quel parfum tu as choisi? Éclat de framboise.
J'adore celles qui fondent en bouche. C'est bon, tu sais. Tu m'apportes une de celles-là demain et je serai bavarde. Aucun problème. Super. On a déjà notre sujet pour l'entrevue et un horaire. Tu te tiendras prêt? Si on est choisi, t'en fais pas, je serai prêt. Bien sûr que ce sera moi. J'ai la meilleure idée. Ta vidéo va paraître ennuyeuse, comparée aux montagnes russes d'émotions que je vais montrer. Ils choisiront mon documentaire. Bonjour à vous tous. Bonjour, Monsieur Darien. Bonjour, Adam. Bonjour à vous, Adam. Bien le bonjour. Qui sera le premier? C'est bon, Talon. Viens te mettre en avant. Le projet de la vidéo que je veux faire est de parler avec les anciens de Wapus Bay. Je voudrais apprendre notre histoire de la bouche de nos anciens. J'ai noté les questions que je voudrais poser et j'ai un plan et un horaire établi. Merci, Talon. Tiber, à ton tour. Du garçon qui vous fait vivre des émotions et des frissons sur la patinoire des aigles de Wapus Bay, voici une vidéo d'aventure qui plaira à tout le monde. Quand la communauté tremble de peur, ça prend le courage d'un seul homme pour imaginer la portée de Straté, promettant une protection pour l'avenir. Oh, j'aime ça! Je veux participer à ce projet! Moi aussi, je veux travailler avec lui! C'est plutôt audacieux, Tiber. Et que vas-tu montrer dans ton film? Ce sera une reconstitution de la vie après la signature du traité. Ouh, génial! J'ai bien l'intention d'utiliser le grand talent de Monsieur Beach et aussi d'autres acteurs chanceux. Du calme, s'il vous plaît. Merci, Tiber. Et qui a d'autres idées? Quelqu'un? C'est tout? Personne. Très bien, alors. Adam, avez-vous des préférences sur le genre de projet réalisable en si peu de temps? Moi, j'aime les idées qui ont été mises de l'avant. Et je peux imaginer la richesse de ce beau documentaire. Et les rebondissements de cette aventure qui me rappellent tous les rôles où j'ai dû me surpasser. Je crois que les deux projets méritent de faire partie de la commémoration du traité de Wapus Bay. Et je crois qu'on a assez d'équipement pour réaliser les deux. Oui! Silence. Est-ce que c'est acceptable pour vous deux? Ouais. Vous devez commencer aujourd'hui et avoir terminé demain soir. J'ai une personne qui va m'aider. Hein, Devin? C'est ça, ouais! Belle barbotine, je vous aurai tout! Les autres, parlez-moi un peu de ce que vous voulez faire. Aider Tiber! Tiber, c'est sûr! Ouais, avec ce Adam! Sera génial. C'est entendu! D'accord, j'ai besoin de bras pour l'équipement. Eliou, tu peux faire ça? Oui! Et quelqu'un pour jouer avec Adam et lui donner la réplique. Lynn, tu voudrais tourner des scènes de combat dans les bois de Wapus Bay? Prête pour les gros plans, Monsieur Moraine. Pour ceux qui ont nos projets, Iwar, Talon ou Tiber, nous allons préparer l'équipement. Ok, moi je travaillerai avec Tiber en premier pour m'assurer que tout est sécuritaire et je rejoindrai Talon au cours de ses entrevues. Ouais, je vous aurai au début. J'ai une scène parfaite pour ça. Tu as un scénario que je peux consulter? J'ai quelques notes de base. Mais tout le projet est dans ma tête. Mais tu n'auras que 3 cassettes pour enregistrer. Oh oui, ce sera bien suffisant. Aujourd'hui, c'est le jour des parents. Et c'est le tour de Raven. Personne. Je vais appeler au secrétariat pour voir si elle est là. Oui, est-ce que Madame Morasty serait au bureau? D'accord, bien, je vous remercie. Je crois qu'on n'aura pas d'aide parentale ce matin. Faisons une pause collation. Raven, tu n'as pas apporté de collation? Je croyais que ma mère me l'apporterait. Merci. On devrait tout avoir. Vérifions. Carnet de notes? Oui. Caméra? Oui. On peut faire une pause le temps d'une barbotine? On n'a même pas commencé. Faut en apporter une à Coucou Marie, t'avais oublié? Et faut respecter l'emploi du temps, on a juste 3 minutes pour respecter la cadence et aller à l'épicerie.
Allons-y. Talon, tu voudrais faire une activité pendant mon jour de congé? Impossible. J'ai une entrevue dans... 2 minutes. Allons-y. Oh. Qui a-t-il, Raven? Personne ne veut consacrer du temps aux autres. Talon est occupé par son projet. Maman est toujours à son bureau. Et papa a toujours un travail urgent. Ils sont tous occupés, mais moi, je suis là. Je suis contente que tu sois là, Koukoum. Mais les célébrations du traité sont censées représenter les familles. Et je n'ai plus de famille, moi, tu vois bien? Je suis désolée qu'il te manque à ce point-là. Quand tout sera fini, tu verras, la vie redeviendra normale. Allons voir si on pourrait faire quelque chose pour aider quelqu'un. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais dire. Reprenons depuis le début. Oh. On a peut-être quelques scènes qui pourraient nous être utiles. C'est vrai, Tibère. On a fait tellement de prises de vue. J'ai fait les changements de ruban, mais je n'ai pas joué une seule scène. Il me faut Adam, sortant de la grotte et regardant loin avec émotion. On commence depuis le début. Adam, j'aimerais que tu y mettes toute ton énergie cette fois. Il faut que ce soit pareil comme l'autre scène, mais différent, tu saisis? J'abandonne, Tibère. Si je dois encore tenir la perche pour la 100e fois qu'Adam sortira de cette grotte sans parler, j'abandonne. Tu feras pas ça. Tu étais volontaire pour m'aider à faire ce film. Dans ton film, il n'y a pas d'action. C'est les mêmes choses qui se répètent encore et encore. Et t'es jamais content. Moi, je vais voir Talon. On peut encore bien faire. Il faut se dépêcher. La lumière du jour baisse. On tourne. Attention, action. Banjo, synchro. Devon, on a 2 minutes de retard. Dépêchons. C'est bon. Le bateau est prêt. Lynn, tu peux installer la caméra sur la plage là-bas. Je suis pas la gardienne d'une caméra. Je suis une actrice. La caméra ne m'a pas encore tournée. Je la transporte, c'est tout. Tu joueras ta scène après qu'on ait fini ces prises de vue. Bien. J'attendrai dans ma roulotte alors. Mais tu n'as pas de roulotte. Non. Mais Koukoum Marie, oui. Tu pars toi aussi? Tu devrais simplifier, Tibère. Ton projet serait bien meilleur. Si ton tournage était plus rapide avec un contenu clair et simple et de l'émotion. C'est d'accord, compris. Il me reste une bande vierge. Tu devrais d'abord visionner ce que tu as tourné. Hey, donne-moi ton scénario, je dois aller voir comment Talon, lui, il s'en tire. J'ai noté ce que je croyais important à présenter. Eliou, qu'est-ce que tu fais là? Je m'ennuyais un peu, alors je suis venu voir si je pouvais aider ici. Génial, tu peux débrancher le frigo? On entend un bruit à l'audio. Pourquoi tu débranches tous mes appareils, Talon? Quand on enregistrera, il n'y aura aucun bruit de fond. Salut Adam, vous venez en renfort? Salut les gars, je venais voir si tout va bien. Ne faites pas attention à moi, je me mets contre le mur. D'accord. Dites-moi votre nom et épelez-le pour la caméra. Tu as déjà oublié qui je suis? Je croyais que c'était ma mémoire qui s'embourbait. Non, moi je m'en souviens. Mais la caméra ne le sait pas, Koukoum Marie. Oh, d'accord alors. Je suis Koukoum Marie pour tous. Merci. Première question. Le traité était-il signé quand vous êtes arrivé ici? Eh bien, c'était il y a très longtemps. J'ai mis le pied à Wapus Bay dans ma belle roulotte de l'époque. C'était une très belle roulotte. Le chef Big Sky était déjà un des membres du conseil de bande. J'avais un urgent besoin qu'on m'aide à brancher mon antenne de télévision pour que je puisse voir mes émissions, hein. Ce n'était pas facile de rouler avec une antenne sur le toit. On ne passe pas sous les ponts, c'est sûr. Et le traité? Comment était Wapus Bay quand on l'a signé? Ah, j'ai entendu frapper à ma porte la première nuit de mon arrivée ici. Le chef Big Sky était venu m'inviter à me joindre à la fête. Je croyais qu'il voulait fêter mon arrivée ici, mais c'était plutôt la signature du traité qu'il célébrait. Oh, c'était une grande fête qui a duré toute la nuit. Et on a dansé la conga encore, encore et encore. Koukoum Marie, est-ce que les gens étaient heureux du traité? Oh oui,
Notre peuple était heureux d'avoir enfin été reconnu et que la terre sur laquelle il vivait était enfin protégée. Alors oui, c'était parfait, oui. Oh ah, c'est assez. Ça ira, coucou Marie. Merci pour ta participation. Est-ce qu'on a tout? On n'a que 13 minutes avant le prochain sujet et il faut s'installer. Waouh, tu suis vraiment ton horaire à la lettre, Talon. C'est très bien. Je dois retourner voir T-Bear, donc on se retrouve un peu plus tard, à l'école. J'ai encore 2 entrevues à faire et j'arrive. Bon, il reste 12 minutes maintenant. On y va! Oh. Hey, alors comment ça va, toi? C'est horrible. J'ai tout raté. Juste quelques scènes ou quoi au juste? Vraiment tout. J'ai pas le son, le cadrage est hors champ. Parfois, il n'y a pas de mise au point parce que... Il fallait que j'essaie de tenir la PH seul, alors j'ai oublié de brancher le micro. Je n'ai pas vérifié si la caméra captait le son. Et j'ai perdu toute mon équipe parce que j'étais méchant. J'ai lu toutes tes notes. Je crois que tu as quelque chose à dire et que ça mérite d'être à l'écran. Il te reste encore une cassette, pas vrai? Une autre. Mais est-ce que ça suffira? On y arrivera. Qu'est-ce que tu penses de ça, T-Bear? On peut réaliser cette idée qui est juste là en filmant une scène. Merci de m'avoir aidé, Adam. Aucun problème. Tu sais, parfois la solution est toute simple. J'ai cru que j'avais pensé à tout. Mais quand j'ai vu le tournage, je sais pas, je ne maîtrisais plus rien. Pense que les copains qui sont autour de toi étaient tous venus t'aider à la réalisation de ton projet et non t'empêcher d'y arriver. D'accord. J'espère avoir assez de prises de vue qui feront ressortir mon idée originale. Je suis sûr qu'on a du matériel de grande qualité qu'on peut utiliser. Salut, maman. Je vois que t'es occupée, mais tu es dans mon champ de vision. Oh, bonjour, fils. Ça s'est bien passé? J'ai travaillé fort, mais j'avais une bonne équipe qui m'a bien aidée. J'ai encore une cassette et je pense que je vais filmer quelques scènes ici. Tu voudrais dire ce que cette fête signifie pour toi? Seulement pour quelques minutes. Parfait. C'est tout ce qu'il me reste sur mon emploi du temps. On va se rapprocher de la cantine. C'est bien plus tranquille qu'ici. Bien. Peux-tu dire ton nom pour la caméra? Moi, je m'appelle Sarah Morasty et je vais dire ce que cet anniversaire signifie. Le traité de Wabus Bay est une occasion pour les familles de se réunir et de célébrer une autre année de souvenirs et du temps passé tous ensemble. Un temps pour se réjouir, partager et apprécier d'être tous réunis. C'était parfait, maman. Merci, Talon. À tout à l'heure. D'accord. N'oublie pas de rebrancher le congélateur. Oh non, il y a le téléphone, les frigos, les fournaises. J'ai oublié de tout rebrancher. Salut, T-Bear. Tout s'est bien passé? Non, j'ai eu des problèmes, mais Adam m'a aidé. J'ai évité un désastre en me souvenant qu'on avait laissé tous les appareils débranchés. Oh non, c'est vrai. Je suis retourné sur les lieux de tournage et tout était correct. Sauf peut-être chez Coucou Marie. Oh non, mais pourquoi? Sa barbotine a fondu, mais elle s'en fichait. Elle l'a mise dans un bol et l'a mangée en soupe. Tu sais, j'espère que ton travail est meilleur que le mien. J'en sais rien. Je n'ai que des gens qui parlent et quelques personnes à l'aréna. Moi, tout ce que j'ai, c'est beaucoup d'action et aucun dialogue. Oh... Si seulement j'avais un peu d'action. Si seulement j'avais un seul dialogue. Les gars, j'ai une idée de génie si elle fonctionne, bien sûr. Je suis prête à tout entendre à ce point-là. D'accord. Pourquoi ne pas tout mettre en commun? Ne faire qu'un seul projet avec du dialogue et de l'action. C'est une idée de génie. Oui. On aurait dû y penser. Voyons ce que tu as au juste. D'accord. Agitons la baguette magique. Vous voilà. Bonjour, maman et papa. Est-ce que tu vois clairement la scène? J'ai cru que t'étais trop occupée.
Je suis désolée de ne pas être allée à l'école, Raven. C'est pas grave, je sais bien que tu avais à organiser tout ça. Il faudrait toujours être là pour sa famille. Et la famille doit aider quand tu es occupée. Merci à tous, bienvenue à ces importantes célébrations. Cette année, le conseil de bande voulait que les jeunes se souviennent bien de cette journée et saisissent l'importance du traité pour Wapoose Bay. Nous avons eu recours à un invité pour stimuler le potentiel créatif des jeunes. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Monsieur Adam Beach. Bonjour, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de cet accueil chaleureux. J'ai eu grand plaisir à travailler avec deux des élèves de la classe de Monsieur Darien sur deux différents projets. Et c'est avec une grande passion qu'ils l'ont fait. Les célébrations de cette année seront représentées par la collaboration de deux jeunes esprits artistiques qui apporte le même message de solidarité, de bonheur et d'égalité. Dévoilons leur chef-d'œuvre. Quand le traité a été signé, il a apporté aux trappeurs un sens de la sécurité, sachant que cette terre sur laquelle ils vivaient serait protégée et qu'elle ferait à jamais partie de leur vie. Notre peuple était heureux d'avoir enfin été reconnu et que la terre sur laquelle ils vivaient était enfin protégée. Le traité de Wapoose Bay est une occasion pour les familles de se réunir et de célébrer. Un temps pour se réjouir, partager et apprécier d'être tous réunis. Une autre année de souvenirs et du temps passé tous ensemble.